Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en fait, c'est pour vous montrer les deux menus cachés qu'il y a sur Mercedes. Donc en fait, dans les nouvelles Mercedes, dans les nouvelles versions, en fait vous avez un menu caché ici et un menu caché sur l'écran principal. Donc je vais commencer déjà par celui-ci. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez la clé, vous voyez en fait, vous mettez juste la clé en position contact, ok. Après, j'enlève le son. Alors vous appuyez sur téléphone et sur OK en même temps. Là vous attendez. Voilà. Et là vous voyez un menu qui va s'afficher. Regardez. Voilà. Donc là, en fait c'est un menu. Alors ce que vous pouvez faire en fait c'est soit quand vous avez une voiture sur le banc, là vous avez l'option pour entrer, activer et désactiver les freins arrière, le piston pour changer en fait les freins. Donc les plaquettes et les disques. OK, ça permet de les désactiver et activer. Et vous avez en fait l'assistance plus, c'est pour tout ce qui est vidange et service complet pour mettre à zéro. Vous voyez, service 1, service 3, etc. Donc, valider le service, c'est pour désactiver ou activer pour remettre à zéro l'entretien de la voiture. Voilà. Donc c'est un petit menu caché, mais c'est juste, vous voyez, ça fait pas beaucoup de trucs, mais ça fait en fait pour les vidanges, pour les freins et pour le banc. Voilà. Après, on va passer au deuxième menu caché. Donc, je vais poser la caméra. Voilà. Alors, le deuxième menu caché, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le bouton raccrocher 1 et dièse en même temps. Donc, vous voyez, vous appuyez comme ceci. Vous attendez. Et voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, vous arrivez à cet écran-là, ce menu caché-là. Donc après, avec la molette, vous choisissez ce que vous voulez faire, vous voyez. Donc ça, c'est un menu qui est un peu plus poussé. Par exemple, vous rentrez dans le système, ça vous met les informations du véhicule, etc. Vous pouvez choisir les couleurs de l'écran, les couleurs de la caméra. Vous pouvez rentrer carrément dans le son de la voiture. Par exemple, si vous voulez plus de son, bah, à gauche, à droite, mettre par exemple 40 à gauche, 42 à droite, etc. Vous pouvez activer, désactiver le Bluetooth, etc. Enfin, c'est un peu plus poussé. Voilà. Disons que ça, c'est le menu caché qui est un peu plus poussé de la voiture. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!